Salut tout le monde. Aujourd'hui, je viens d'avoir une petite information en regardant un peu Internet, tout ça. Et ça a l'air assez triste. Ça concerne Fortnite, mais aussi YouTube et Netflix, qui pourraient être arrêtés à cause des confinements, comment ça s'appelle? Des confinements du coronavirus. Je vais vous expliquer tout cela. Avant cela, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu ainsi que mon code créateur. Nas-06-YT qui sera en lien dans la description, c'est super sympa. Donc en fait, vu que les gens sont confinés, il y a une des principales occupations, c'est Internet, les jeux vidéo, Fortnite, Netflix, YouTube. Et ces réseaux-là, ils sont très très gourmands en bande passante. Donc il y a eu déjà ce matin des problèmes en Île-de-France. En Italie aussi, ils ont vu des connexions augmenter de plus de 20-30%. Donc pour l'instant, ça va à peu près. Il y a eu quelques coupures en Île-de-France, j'ai appris ce matin. Donc voilà, si les gens restent confinés, ça risque de faire beaucoup de consommation Internet malheureusement. Et les réseaux français comme SFR, Bouygues, Orange, tout ça, ils peuvent décider de couper, justement, ils peuvent décider de couper Fortnite, YouTube et Netflix pour laisser de la place de la bande passante Internet, du réseau Internet pour le télétravail. Il y a aussi le travail des médecins, effectivement, le consultation médicale par Internet. Il y a aussi les cours par Internet, justement. Il y en a, ils préféraient que c'est les cours Internet qui soient enlevés et qui laissent Fortnite, bien évidemment. Justement, ce qui a posé problème ce matin en Île-de-France, c'était les cours par Internet. C'est ça qui a crashé, qui a buggé. Donc, il est possible, ce n'est pas sûr encore, les décisions n'ont pas été prises, ne vous inquiétez pas. Ne commencez pas à tous vous jeter sur Fortnite en pensant que c'est la dernière partie que vous allez faire, parce que là, vous allez faire crasher le site, vraiment. Donc, voilà, il risque de prendre des décisions dans l'avenir. On va voir. Normalement, ça pourrait être bon, ça pourrait être limite, mais dans le pire des cas, il pourrait couper Fortnite, Netflix et YouTube. Au pire, pour les gamers, il y a, comment ça s'appelle? Il y a les jeux hors ligne, tout simplement sur la console ou PC, jouer hors ligne, c'est faisable, mais Fortnite, c'est pas possible. Fortnite, c'est pas possible de jouer hors ligne. J'y réfléchis, c'est impossible de jouer hors ligne. Voilà, il y a d'autres jeux comme GTA, le football, Pro Evolution Soccer, Call of Duty aussi, on peut jouer hors ligne. Il y a plein de jeux où on peut jouer hors ligne, bien évidemment. Donc je vous tiendrai au courant des évolutions. C'est une possibilité qui est envisagée par les opérateurs Internet en France, en tout cas. Voilà, je tenais à vous l'informer quand même. Comme ça, on se prépare psychologiquement au cas où il enlève. Justement, au moment où je reprends à jouer à Fortnite, là, j'ai fait des lives. Voilà, ne paniquez pas, il n'y a rien de grave. Voilà, si. On va voir au fur et à mesure. On se tient au courant par Internet, bien évidemment. On espère un bon snap. Ça va, il risque, ça n'a pas été évoqué. Mais YouTube, Netflix et Fortnite, justement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne NasGamer06. C'est super sympa. À mettre un grand pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, snap et tout ça, tout ça, tout ça. Tchuss, merci d'avoir regardé.